Good morning, allez, Idan, et tu seras aujourd'hui le Lunish Matar Mordechai Ben Yitzchak, Vafini Dvorah, Bat Esther, Charlie Shalom, Ben Germain, Sarah. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous allons s'arrêter dans Matur Ikud Gimel, Mishnah Aleph. Bet Shavayom Rem, En Memanin, El Arusot, ou Bet Ilel Omrim, Arusot, Unsuot. Premièrement. Deuxièmement. Bet Shavayom Rem, Baba'al, Velo, Beyavam, ou Bet Ilel Omrim, Beba'al, ou Beyavam. Troisième machloket. Bet Shammai Omrim Befanav ou Bet Hillel Omrim Befanav Veshul Befanav. Ça fait 3. Quatrième maintenant. Bet Shammai Omrim Bebet Din ou Bet Hillel Omrim Bebet Din Shelo Bebet Din. Donc ça fait déjà 4 marchlokot. Bet Shammai Bet Hillel. Et la cinquième c'est Amroulem Bet Hillel Bet Shammai Mema Enet Veiktana Afilu Arba Vechamisha Pe'amim. Amroulem Bet Shammai En Benot Yisrael Hefker Ela Mema Enet ou Memtenet Ad Shetagdil Vetemaen Vetinase. On commence dans ce chapitre à découvrir la halakhot du mi'oun. Mi'oun, c'est la fille qui refuse, c'est-à-dire une fille, une petite fille qui n'a pas encore atteint sa majorité. Lorsqu'elle a un papa, le papa peut la marier et se déclencher une minatora sans aucun problème. Lorsque le papa est décédé, alors plus personne n'a le droit de marier cette petite. Elle n'est pas le bien, la propriété, ni des frères, ni de la mère. On doit attendre, en théorie, qu'elle aurait 12 ans. Or, Chachamim ont décrété qu'on peut marier même une petite fille, pour une raison d'ailleurs qui est merveilleuse, c'est la psychologie, pour vous montrer comment ça existe depuis toujours, parce que les petites orphelines, elles n'ont pas un papa qui protège. Et si elles n'ont pas un papa qui protège, il va y avoir des mzorob qui vont abuser d'elles, sans que personne ne va la protéger. Qu'est-ce qu'ils ont fait Chachamim? Ils ont instauré, viens, on va instaurer que cette petite fille, elle va pouvoir se marier, comme ça elle aura un mari, et celui qui l'approche, il va lui casser les dents. D'accord? Et donc du coup, la Mishnah m'enseigne, donc du coup, Chachamim ont décrété qu'on pourra marier cette fille. Maintenant, ce mariage-là, c'est un mariage qui n'est que midérabanan. Du coup, on lui laisse jusqu'à 12 ans, 12 ans et demi, on en reparlera un petit peu plus après, je crois que c'est ici, ouais, logiquement, que jusqu'à l'âge de 12 ans, ou 12 ans et demi, elle pourra ensuite refuser le mariage. Genre, elle va dire, quand elle va grandir, elle va dire, bon, mais mon frère, ils ont d'abord, ils ont laissé la, ils ont créé le droit, en fait, à la mère et au frère de marier cette fille, lui trouver un bon mari, quoi, et comme ça, elle va vivre avec elle. Maintenant, puisque ce mariage est le cumé de Rabbanan, Chachamim ont dit qu'elle peut faire le mi'oun refusé, c'est-à-dire, elle va, quand elle va en grandissant, elle va dire, non, j'en ai marre de lui, il n'est pas intéressant, ils m'ont vendu un petit peu à n'importe qui, et elle refuse, et donc elle fait ce qu'on appelle le mi'oun, les ma'en refusés, ma'en yavmi, comme c'est écrit dans la Yevama, et il y a la même chose aussi, ma'en bil'am, la lor, la lechet, il y a ma'en refusé, donc mi'oun c'est qu'elle refuse, et notre Mishnah maintenant va s'intéresser à définir exactement dans quelles circonstances on lui permet de refuser, d'annuler quelque part, de faire le mi'oun, d'annuler ce mariage qui a été fait, et dans quelles circonstances c'est fini. Il y a plusieurs avis, en fait, comme on voit, il y a une grande marque de Bechamay ou Bet Hillel entre Bechamay qui va très restreindre ça à un cas très 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 spécifique, et Bet Hillel qui vont dire que beaucoup plus, comme ce qu'on va voir tout de suite, avec la première discussion déjà, Bechamay enseigne, En Memaanin El Arusot, ou Bet Hillel Omrim, Arusot Unsuot. Selon Bet Shammai, une fille peut refuser le mariage que si elle est encore Arusa, qu'elle est encore fiancée. Mais et qu'elle est encore en train de vivre chez la famille, chez sa propre famille, mais qu'elle n'est pas encore entrée dans la maison du mari. Par contre, dès qu'elle est née sous A, elle a été mariée concrètement à part, ouais, toujours aspect kinyan et aspect mariage. Donc, tant qu'elle est encore, elle a juste reçu des kiddushin qu'elle est encore dans la maison de son père, même si son père est nifar, alors elle peut encore refuser. Mais dès qu'elle est passée ensuite sous la chupa, que maintenant elle a commencé à vivre avec lui, Bet Shammai ne permet plus de faire le mi'oun. Tandis que Bet Hillel nous dit qu'elle peut refuser. Attention, je vous donne le principe général qui va revenir constamment. Vous imaginez un petit peu la... Comme ça va être explicité ensuite d'ailleurs. Vous imaginez une fille de se marier, puis finalement elle refuse le mariage, et puis après elle décide de partir se marier avec quelqu'un d'autre, après elle refuse le mariage. Ça laisse un petit peu... Ça crée un esprit de frivolité un petit peu, non? Vous êtes d'accord? Elle se marie, aujourd'hui avec Réhouven, dans 3 jours on en a marre, oh, j'en ai marre, je refuse. Après, c'est Shimon qui l'a mariée, après elle en a marre, elle refuse de nouveau. Ça va faire une fille un petit peu trop... On va la prendre à la lèche. Du coup, Chachamim ont, selon Bet Shammai, Chachamim ont restreint énormément le mioun. Comme on va voir, on te le permet de faire une seule fois,
on permet de le faire quand t'es encore fiancé, mais dès que tu t'es marié, c'est fini, quoi. Ça veut dire quoi? Tu t'es marié, t'as déjà eu un rapport avec lui, et puis après quoi, tu refuses et tu... Ça n'existe pas des jeunes filles qui ont eu des rapports qui se promènent comme ça. Soit c'est une mariée, soit c'est une divorcée, mais c'est pas des jeunes filles que... D'accord? Donc, Betel Amrim arousot unsot. Et Betel Amrim dit, non, malgré tout, elle peut quand même refuser. Betel Amrim beba'al velo beyavam. Betel Amrim beba'al beyavam. Ça, c'est une autre marquette qui est un peu différente. Que Bet Shammai enseigne beba'al velo beyavam, c'est-à-dire qu'elle peut refuser, elle refuse le mariage du mari, mais pas du yavam. C'est-à-dire, si elle s'est mariée avec quelqu'un, Réhouven. Et Réhouven, il est mort sans enfant. C'est normal, elle n'avait pas encore 12 ans, la pauvre. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant, elle doit faire le yiboum. Mais son beau-frère, ça ne lui dit rien du tout. Alors, est-ce qu'elle peut faire le mioun et refuser le mariage? La Mishnah m'enseigne qu'elle ne peut pas refuser selon Bet Shammai. Et Bet Hillel, elle peut refuser aussi. Ok? Parce qu'en fait, quand elle refuse, c'est pas que la problématique, elle est que le yavam, il ne s'est jamais marié avec elle. Donc, si c'est jamais marié avec elle, le principe, c'est que quand elle refuse, elle dit « Bon, on m'a vendu, mais je ne suis pas intéressé par cette vente. » Donc, elle annule la vente. Mais lorsqu'elle s'est mariée avec quelqu'un, et que ce quelqu'un, il est mort, après, quand elle tombe devant Yavam, c'est pas Yavam qui l'a marié. Donc, selon Bet Shammai, il va me dire ben, « C'est trop tard pour pour refuser. Tu peux annuler la vente tant que tu es encore en rapport avec l'acheteur, le vendeur, avec les gens qui sont là. Mais dès que tu es passé dans la propriété du Yavam, c'est fini, tu ne peux plus refuser. » Bet Hillel va me dire, bien sûr que tu peux refuser, parce que tu annules complètement la vente, c'est tout. Bet Shammai omrim befanav, ou Bet Hillel omrim befanav, veshelo befanav. Bet Shammai, ils me disent, befanav, que le hiboum, on le fait que befanav. Ça veut dire que, c'est pas qu'elle va, lui il est parti au travail, et elle va au Bet Din, elle dit, ça il en est marre de lui. Non, pas du tout. Ils doivent partir ensemble devant le Bet Din, et qu'elle va dire, je ne veux plus de lui. Bet Hillel omrim befanav, Bet Hillel me dit, non, elle peut faire devant lui comme... Pas devant lui, c'est le. Bet Shammai omrim bevet din, ou Bet Hillel omrim bevet din, ou Shel bevet din. Encore une autre machloquette, c'est que Bet Shammai, ils vont me dire qu'elle le fait que devant le Bet Din, c'est-à-dire, selon Bet Shammai, elle a fait. Donc si je récapitule, il faut qu'elle soit fiancée. Devant le mari, qu'il soit là, et qu'elle aille aussi au Bet Din, pour refuser devant les juges. Tandis que Bet Hillel, ils me disent, que bevet din, ou Shel bevet din. Qu'elle peut même refuser aussi, même si elle n'est pas devant le Bet Din. Ok? Avec moi le rapport d'ailleurs, même si elle va chez l'épicier, elle va dire oh, j'en ai marre, il m'envoie toujours faire les courses, je veux plus de lui. Ça s'appelle un mioun. Autre machloquette encore, Amroulaïn Bet Shammai, Amroulaïn Bet Hillel Bet Shammai. Bet Hillel, on dit à Bet Shammai. Mais ma enet vehiktana, afloar baga hamisha peamim. Selon Bet Hillel, ils vont me dire, Bet Hillel disent qu'elle peut refuser même tant qu'elle est petite. Même 4 et 5 fois, même sur 4 et 5 maris. Réellement, selon Bet Hillel, elle se marie avec Réhouven. Elle passe 2 mois avec lui, on en a marre, elle refuse. Tac, elle repart vivre chez la maison de sa mère. Après 5 mois, il la remarie avec quelqu'un d'autre. Et après, elle en refuse. Et bien, ça marche après Bet Hillel. Amroulain, Bet Shammai, et donc rétorquer Bet Shammai. En benot Israël, Efker. Les filles du Am Israël ne sont pas des Efker, des. Sans. Qu'on fait ce qu'on veut avec elle, c'est pas une manière. Elle a quoi? Elle a même aenet ou même tenet à Chetagdin. Elle a deux possibilités. Soit elle refuse, d'accord? Elle a le droit, mais après, même tenet à Chetagdin, et qu'elle attend jusqu'à qu'elle va grandir, mais elle ne pourra plus se remarier. Ou encore, elle peut aussi faire autre chose, c'est que, ou temen vetinase, elle refuse, mais tout de suite après, elle se remarie avec quelqu'un d'autre, mais plus en guise de fiançailles, mais en guise de mariage complètement, qu'elle aille vivre avec lui, comme ça, de toute façon, elle ne pourra plus jamais refuser. En fait, on lui permet de refuser une fois. Une fois, elle refuse. Après, on lui permet, si elle veut, elle se remarie, mais elle se remarie qu'à condition qu'elle soit bien bloquée, qu'elle ne pourra plus, de toute façon, revenir en arrière pour annuler ce deuxième mariage. D'accord? Selon Bet Shammai, qu'elle ne peut pas annuler le mariage une fois qu'elle a été mariée concrètement. Pas juste les Kiddushin, pas juste les Yerushin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Tzlacha Kol Tov.